Bon, bah, du coup, on est arrivé à Page. On est arrivé hier, mais on a eu un petit problème de carte mémoire, donc je n'ai pas pu vous filmer ni le room tour, ni la soirée. Du coup, on dort. J'ai oublié. Hello. On dort au Red Rock Motel à Page. Voilà, la très chambre mignon. Est ouais, très mignonne. Et en plus, il y a un petit, petite cuisine partagée si on veut cuisiner, donc c'est assez sympa. On peut faire des barbecues. Hier soir, on a été manger au John. Big John Barbecue Texas. Big John Barbecue Texas. Qui est à 5 minutes à pied de notre hôtel pour le coup. Et trop sympa quoi. C'était génial, je vous mettrai quelques petites images parce que du coup on a filmé avec nos téléphones. Puis en plus, excellent, ils nous ont fait monter sur scène. Vraiment sympa, ça vaut le détour. Sauf le brownie. Bah, le dessert était pas bon, mais sinon le plat est. Donc voilà, et là actuellement, on se trouve à Orchestrand. C'est trop beau. Extrêmement chaud. Ouais. Donc du coup on était à Horseshoe, super beau. L'entrée de Horseshoe est à 10$ par voiture et c'est vraiment sympa. Il y a je dirais entre 10 et 15 minutes de marche pour rejoindre le point de vue. Bon, c'est conseillé d'y aller plutôt vers midi parce que du coup le soleil tape directement sur les rochers. Bon, pas de chance vu que nous on est sur une période où il y a énormément d'orages, du coup il y a eu pas mal de nuages. Mais le ciel s'est quand même un petit peu dégagé, donc tant mieux. Voilà, là du coup on va rentrer à la chambre d'hôtel, on va aller récupérer Simone qu'on a oublié ce matin, la pauvre. Oh Simone. Et du coup on va manger et après on va aller faire le Canyon Boat Tour. Et cet après-midi on ira se baigner, voilà. Vous pouvez choisir de faire soit un tour de bateau, il y a du jet ski, il y a du canoë, il y a du pédalo. On a réservé le bateau qui part de Antelope Point Marina. Voilà, et c'était $50 par personne pour une heure, je crois, ou une heure et demie, je sais plus, de bateau. Et du coup, on va dans le Antelope Canyon sur l'eau. Là, on y est, voilà. Les parois sont très proches et c'est très très joli. Trop beau, trop trop beau. On vous le conseille fortement. Thank you.
fait un petit room tour de ces super hôtels. Donc vous pouvez voir ici, il y a la valise de maman. Là, Rôti sort de la douche. Là, il y a la valise et du Rôti. Ici, tout plein de bazar. Salle de bain. Tout plein de bazar encore. Les draps sont très beaux et très doux. Touchez comme c'est doux. Oui, c'est doux. Une petite table sur laquelle on a pu mettre plein d'autres bazar. La valise de Daddy, la mienne. Là, sur ce lit, plein de bazar. Oui, vous avez compris. Et regardez, touchez, c'est encore très doux. Une télé complètement disproportionnée. Un petit frigo. Un petit micro-ondes. Et en plus, nous avons une petite cuisine à partager là-bas. On vous filmera l'extérieur ce soir. Parce qu'on va faire un barbecue. Voilà. Vous avez vu, c'est le bazar. Mais les draps sont tout doux. Sur 10 les potatoes du Safeway, 10 sur 10. Bah, je suis rouge, ça sert à rien de me filmer le prêt, hein. Ça va rien changer. Oui, mon nez est rouge, oui. Elle est un peu sur le bord. Daddy ou barbecue? Daddy, la meilleure cuistot qui possible. Nous revoilà à Paige. Alors, pour raconter la petite anecdote, ce matin, on s'est réveillé en sursaut parce qu'on a réservé un tour à Antelope Canyon et tout à coup, on s'est demandé, en fait, comme c'est une réserve Navajo, s'il n'y avait pas une heure de plus sur place. Donc, c'était un peu la panique. On a vérifié du coup sur le site internet, sur les groupes Facebook sur lesquels on est. Et donc, il n'y a pas de décalage horaire entre Antelope Canyon et Page. Donc, il faut se fixer à l'heure de Page. Du coup, rassuré, on s'est préparé. On a chargé la voiture et là, on part vers Antelope, dans le doute le plus total, parce que nous sommes le 31 juillet, que Antelope Canyon était fermé pendant une semaine à cause des orages et que Tom, du coup, qui avait réservé avec l'autre tour, s'est vu annuler son Ken's Tour, s'est vu annuler son billet pour cause de réhabilitation du site. Donc nous, on a toujours pas reçu de mail, on n'a pas d'annulation de notre tour. On est avec Dixie Tour du coup. Mais du coup, on va aller voir sur place. Et on espère, on croise les doigts que c'est maintenu. On va voir. On a été à Lower Antelope Canyon. Notre compagnie du coup qui était Dixie ne nous a pas prévenu, mais Lower est fermé pour réhabilitation à cause des flash floods. Donc légèrement déprimé et sans espoir, on s'est rendu à Upper Antelope Canyon, et par un coup de miracle ou de chance, je sais pas, il leur restait 8 places à 1 heure. Donc on a pris les 8 places, on était bien contents, et du coup là on part faire du canoë. Thank you.
crunch et tout, trop bon. Mac and cheese, méga bon. Et petites frites. C'est la fin de notre petit vlog à Page. C'était vraiment super. Upper Antelope Canyon. J'ai envie de dire Lower à chaque fois parce que c'est Lower qu'on devait faire, mais bon. Du coup, Upper Antelope Canyon, c'était super. Dans notre malchance, on a vraiment, vraiment eu de la chance. Donc, on était trop contentes de rattraper le coup là-dessus. Après ça, on a été manger à Birdhouse. C'était super bon. Que des trucs à base de poulet frit. Trop bon. Avec une sauce ranch. Incroyable. Bref, c'était délicieux. On vous conseille l'adresse si vous allez à Page. Maintenant, on va prendre la route pour le Grand Canyon. Oui, c'est ça. Dernier petit truc que je voulais dire pour Page. On a adoré le lac Powell. Vraiment indispensable de faire du bateau, du canoë ou les deux. Le canoë, on n'a pas eu le temps, mais il y avait de quoi s'arrêter. Il y avait des petites plages et tout, donc ça, trop mignon. Et petit regret, qui n'en est pas un, mais petit regret quand même, c'est qu'on aurait bien aimé un petit tour d'hélico au-dessus du lac Powell, parce que forcément, les très belles photos qu'on voit du lac Powell, c'est les photos du dessus, vision qu'on n'a pas du tout en fait quand on est à Page. Donc un petit tour d'hélico aurait pas fait de mal. Après, on va faire l'hélico au Grand Canyon, et ça, je pense que ça va être chouette. À bientôt pour le prochain.